Saint-Julien. Et aujourd'hui, je m'en vais rencontrer Martin Archambault de l'Association des véhicules électriques du Québec pour qu'il nous parle de sa nouvelle voiture électrique. Salut Martin! Salut! T'es déjà au garage? Ouais, mais c'est juste pour faire changer mes pneus. Une voiture électrique, ça n'a presque pas d'entretien. Il n'y a pas de changement d'huile à faire, puis même les freins sont presque pas sollicités. C'est le moteur qui ralentit la voiture. Comme tu me mentionnais tantôt, une voiture électrique, il y a peu d'entretien à faire dessus. Ça veut dire que ça représente beaucoup d'économies. Mais si je pense à ta batterie, est-ce que l'autonomie te satisfait? Tout à fait. J'arrive tout juste de Joliette. Avec mon 150 km d'autonomie, j'ai pu faire l'aller-retour Montréal-Joliette sans avoir à me recharger. Tout à l'heure à la maison, sur ma borne de recharge à 240 volts qui me fournit 27,5 ampères, je vais me recharger et 4,1 heures après, je vais être totalement rechargé. L'énergie consommée du secteur va être emmagasinée dans ma batterie. Ensuite, cette énergie-là va être consommée lors de mes déplacements. Puis, à combien revient une recharge à la maison? C'est 10,26 sous pour 1 kWh. Et ça, c'est le tarif résidentiel d'Hydro-Québec après le premier 33 kWh par jour, taxes incluses. Audrey, rouler électrique, c'est rentable. Il y a peu de pertes. Presque toute l'énergie consommée sert à faire avancer le véhicule. De toute l'énergie emmagasinée dans la batterie, 23 kWh sont utiles pour faire avancer le véhicule. Le reste de l'énergie est dissipé sous forme de chaleur. À ce compte-là, ça revient pas cher pour rouler? Non, et ça compense pour le prix d'acquisition de 37 250 quoiqu'avec le rabais du gouvernement, ce coût-là est réduit. C'est une belle façon de commencer à rouler vert. Rouler électrique, c'est rouler sans émissions de gaz à effet de serre.